Salut tout le monde, bienvenue sur Setup GT7 Gamepad. Aujourd'hui, on va voir le setup de la Ferrari F12 Berlinetta 2012 en 700 pp. Donc, ce qui nous donne 544 chevaux, un couple Nm de 599, une cylindrée à 6200, c'est énorme, un poids à 1525 kg. Donc, il n'y aura pas d'allègement à faire. Hein, voilà. Et une répartition à 46-54. Alors pour ceux que ça intéresse, les performances de l'accélération sont de 11 secondes 0,4 de 0 à 400 mètres, de 0 à 1000 mètres de 19,98 et de 100 à 150 km/h 2 secondes 73. Donc autant dire qu'on est collé au siège. Hein. Voilà. Alors on va passer à la hauteur de caisse, donc 150 à l'avant, hein, voilà, pour gommer l'effet d'instabilité qui avait au niveau du train avant. Donc en mettant plus haut, ça permet à la voiture de mieux tourner et de gommer l'effet d'instabilité que j'avais. Et plus haut derrière, 170, étant donné qu'il n'y a pas de survirage, ça aide l'arrière-train à suivre l'avant dans les entrées de virage. Voilà. La barre anti-roulis, pour que la voiture puisse tourner correctement, on la met à 10, étant donné qu'il n'y a pas de sous-virage, donc là c'est parfait. Et à 5 simplement, étant donné qu'on avait une hauteur quand même assez conséquente à l'avant, donc 5 c'est amplement suffisant. Comme ça, on évite le survirage. Au niveau de la compression, une compression à l'avant de 30, à l'arrière un peu moins compressée, plus souple, 29. Niveau de l'extension, je suis un peu plus ferme qu'à l'arrière, donc 49 et 50 à l'arrière. Qui fait 30-49 pour l'avant, 29-50 pour l'arrière. Ce qui concerne la fréquence naturelle, donc une fréquence naturelle plutôt dure, voilà, hein, pour gommer l'effet d'instabilité, comme je disais au niveau du train avant. Donc là, elle tourne bien, c'est nickel. J'ai réglé ce problème d'instabilité en mettant plus dur, voilà. Et 2,70 à l'arrière, pas trop non plus, si on pouvait risquer d'avoir un peu de survirage. Donc là, c'est parfait. Niveau du carrossage, pour avoir du grip, 2. Donc là, vous pouvez aller entre 2 et 3. Hein, voilà, si vous n'avez pas cette grippe là, mettez un peu plus. Vous aurez un peu plus de grippe. Et 2,5 à l'arrière. Niveau du pincement, moins 0,15 à l'avant pour avoir du grip en entrée de virage et plus 0,30 pour stabiliser le train arrière dans les virages, éviter le survirage. Hein. Donc au niveau des GL. Donc moi, vous ne prenez pas la tête, j'ai acheté des GL actifs, ça permet d'économiser quelques pp. Voilà. Et ainsi avoir plus de chaud. Voilà, c'est le principe des PP. Hein, voilà. Donc, on passe. Ouais, donc voilà. Donc, c'est grisé. Hein. On pouvait éventuellement changer juste la sensée de freinage. Donc, moi, j'ai mis à 50. Voilà. Alors, au niveau de l'appui, moi, j'ai mis à 200 devant, donc un appui à fond. Voilà, donc il faudra acheter la pièce hein, pour mettre à l'avant là, et puis le béquet arrière. Moi c'est un petit béquet hein, pour une question d'esthétique. J'ai mis personnellement, après faites comme vous voulez. Alors ouais, donc 200 à l'avant hein, pour stabiliser la voiture quand même. Là il y a quand même 544 chevaux. Autant vous dire que voilà, elle envoie du pâté la caisse. Hein, donc c'est quand même bien d'avoir un peu d'appui. Moi je privilégie l'appui toujours. La stabilité de la caisse hein. Et donc 389. Alors au niveau de l'écu 100%, voilà, entièrement personnalisable. Voilà, ballast, pas de poids, possiblement du ballast, ah, bien sûr, on n'y touche pas. Restriction de puissance, vous la mettez à 70. La boîte, on verra ça tout à l'heure. Après, là, donc je vous fais voir les pièces. Voilà. Après, en compresseur. Il n'y aura rien à mettre en échappement, c'est pareil au niveau du freinage, hein, étant donné quand même à 700 pp. Voilà, c'est une caisse qui tourne bien, donc je vous conseille de mettre les freins sur carbone. Hein, moi, ce que j'ai fait personnellement, après, voilà, après les freins sur course et au niveau de l'embrayage et volant sur course également. Et au niveau de la préparation, il n'y aura aucune pièce à mettre et la carrosserie, donc il n'y aura rien à faire, hein. Pas de réduction de poids. Voilà. Ce qui vous donnera, voilà, ça, 699,59. Donc on va entrer dans les clous pour jouer en 700 pp. Alors, on va voir la boîte, une surmise en normale. On met la boîte entièrement personnalisable manuelle.
Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, donc vous avez acheté la boîte, on va sur vitesse de pointe, on va la mettre à 300, donc tout sur la gauche. Voilà. On prend le temps tranquille, on va la faire ensemble. Hein. Hop, voilà. Une fois que vous avez mis la vitesse à 300, on va sur la vitesse finale, donc on va la mettre à 4000. 4000. Voilà. Que vous avez mis à 4000, on va mettre la première tout à gauche. Donc vous inquiétez pas, on va la mettre à 2350, mais pas du premier coup. Hein. Voilà, vous avez constaté. Donc je le fais ensemble, vous allez comprendre. Elle va pas pouvoir se mettre à 2350, étant donné que la deuxième est sur 119 aussi. Voilà. Donc je décale la deuxième. Je la mets tout à gauche, là, voilà. Et maintenant, je reprends sur la première et on va la mettre à 2350. Donc, on met la première tout à gauche maintenant. Voilà. Et la deuxième, on va l'ajuster à 1942. Voilà. 1942. Voilà, ça c'est fait pour la première et deuxième. On passe à la troisième. La troisième, on va la mettre à 1624. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, on passe à la quatrième. On va la mettre à 1410. 1410. Voilà. Une fois que vous avez mis la quatrième à 1410, on va passer à la cinquième. La cinquième, on va la mettre à 1272. Donc à droite. Après, la sixième, on va la mettre à 1151. Et la septième, on va la mettre à 1065. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre la vitesse finale pour l'ajuster au circuit. On va la mettre à 3840. Et voilà. Donc la boîte est faite là. Je referme. Voilà. Donc une voiture super sympa à conduire. Hein. Voilà, attention, hein, l'arrache bitume. Donc faites attention. Désaccélérer bien avant les entrées de virage, sinon vous allez passer tout droit, n'y allez pas comme un gros bolos. Hein. Voilà, c'est quand même une road car, hein. Il faut un certain temps au niveau du freinage et pour désaccélérer. Donc, sinon, c'est une voiture avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à conduire. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain setup, hein, et puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Voilà. Allez, salut, à bientôt.